Seigneur et Sauveur, selon la confession de ta foi et en obéissance à la parole de Dieu, je veux te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et le Seigneur Jésus, tu règnes en moi. Renier la vie. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, les excuses de certaines personnes sont pas fondées. Je n'arrive plus à louer le Seigneur, à prier parce que il y a Paul, Pierre et Jacques qui m'ont mal regardé, qui m'ont insulté. Pierre, Paul, Jacques ont besoin de Jésus-Christ comme toi et moi. Je ne viens pas à l'église parce que dans cette église, il n'y a pas d'amour, mais apporte l'amour. Est-ce que dans cette église, il y a la parole de Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a la louange? Oui. Il y a l'adoration? Oui. Alors toi, tu viens, tu apportes l'amour qui manque. Vous comprenez? Toi, Dieu te donne l'amour. Toi, Dieu te donne la fidélité. Toi, Dieu te donne la joie. Toi, Dieu te donne la persévérance. On met tous ensemble et l'église est forte. Amen. Vous voyez? Parce que si moi, je viens, je dis, ah non, dans cette église, il manque l'amour. Et moi, je dis, il manque aussi la fidélité. Il manque aussi la personne, il manque aussi la prière, il manque. C'est pour ça que nous sommes des imparfaits et nous servons un Dieu qui est parfait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh,
Thank you.
Thank you.
Alors, je disais tout à l'heure que je suis toujours émerveillé de voir comment le Seigneur opère dans les familles, dans les couples, dans la société. Et quand Dieu opère, il opère avec tellement une douceur, mais il y a de la puissance derrière. Amen. C'est pour cela que chacun et chacune d'entre nous, nous sommes tellement importants dans le royaume de Dieu. Nous sommes importants quand nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans notre vie, ce qu'il est et ce qu'il peut faire dans notre vie. Alléluia. Ne vous sous-estimez pas. Ne dites pas que je ne peux pas faire comme lui ou comme elle. Ne dites jamais ça. Dites seulement, Seigneur, dans ma faiblesse, viens me rendre fort. Dans ma faiblesse, viens et utilise-moi. Remarquez, vous allez remarquer dans la Bible, Dieu utilise souvent les gens qui sont humbles. Je ne peux pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas assez fort. C'est là que Dieu vient pour manifester grandement sa puissance. Donc si une personne ici qui dit à chaque fois, je suis faible, je n'arriverai pas, laissez-moi vous dire, de vous apprendre cette bonne nouvelle, que vous êtes un potentiel pour le Seigneur. Amen. À chaque fois que vous dites que je ne pourrai pas, vous êtes déjà choisi par Dieu. Alléluia. Parce que Dieu utilise des gens comme ça pour manifester sa gloire. Amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur ce message et vous parler de l'Église. Parce que la période que nous traversons aujourd'hui, on va expliquer c'est quoi l'Église. Pourquoi l'Église? Pourquoi on vient à l'Église? Pourquoi le Seigneur nous a appelés? Et quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens qui sont en dehors de l'Église? Qu'est-ce qu'on doit leur apporter comme un message d'espoir, du salut, de réconfort? Et ce message-là doit être apporté avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Et lorsque vous manifestez la passion, l'amour, la détermination, et vous témoignez ce que le Seigneur a fait dans votre vie, cela permettra ce que ce monde-là soit touché. Nous sommes un évangile vivant. Nous sommes des témoins vivants. Vous et moi, nous sommes une Bible. Nous sommes des Bibles ambulantes. C'est-à-dire, partout où nous partons, partout où nous mettons nos pieds, nous représentons quelque chose. Nous sommes des ambassadeurs. Amen. Et j'ouvre ma bouche, c'est la parole de Dieu qui sort pour réconforter quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Et j'ai parlé avec mes collègues pasteurs partout, que ce soit ici en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, partout en Europe. Et j'ai constaté une seule chose, que l'attaque que nous avons eue depuis le début de l'année, ça a été prophétisé. Cette attaque vient pour affaiblir l'Église. Vient pour affaiblir l'Église. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que l'Église était persécutée, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, à chaque fois les enfants de Dieu étaient persécutés. À chaque fois, il y avait une tempête qui arrivait. Après cette tempête, après cette persécution, il y avait toujours une grande manifestation de Dieu. Parce que Dieu permettait jusqu'à un certain moment que les enfants de Dieu puissent avoir faim et soif. Faim et soif, faim et soif. Pour qu'ils puissent compter que sur lui. Certaines circonstances sont voulues par Dieu pour qu'on puisse avoir faim et soif de lui. Amen. Certaines persécutions sont voulues par Dieu, mais contrôlées. Pensez à l'histoire de Job. Job avait presque tout perdu, mais Dieu contrôlait la situation. Amen. Et la période que nous traversons maintenant, il ne faut jamais renier Dieu. Il ne faut jamais renier l'Église. Il ne faut jamais renier la Bible. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, les excuses de certaines personnes sont pas fondées. Je n'arrive plus à louer le Seigneur, à prier parce que il y a Paul, Pierre et Jacques qui m'ont mal regardé, qui m'ont insulté. Pierre, Paul, Jacques ont besoin de Jésus-Christ comme toi et moi. Je ne viens pas à l'église parce que dans cette église, il n'y a pas d'amour, mais apporte l'amour. Est-ce que dans cette église, il y a la parole de Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a la louange? Oui. Il y a l'adoration? Oui. Alors toi, tu viens, tu apportes l'amour qui manque. Amen. Vous comprenez? Toi, Dieu te donne l'amour. Toi, Dieu te donne la fidélité. Toi, Dieu te donne la joie. Toi, Dieu te donne la persévérance. On met tous ensemble et l'église est forte. Amen. Vous voyez? Parce que si moi, je viens, je dis, ah non, dans cette église, il manque l'amour. Et moi, je dis, il manque aussi la fidélité.
Il manque aussi la persévérance. Il manque aussi la prière. Il manque. C'est pour ça que nous sommes des imparfaits et nous servons un Dieu qui est parfait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Un chrétien qui se permet de dire ce genre de choses, ce n'est pas un chrétien qui est fondé. Parce que moi, quand je m'étais converti, la première chose, j'avais demandé au Seigneur, « Seigneur, aide-moi que je sois utile pour mes frères et sœurs. » Là où il y avait un manque, j'ai travaillé très dur dans la prière. Je dis, « Seigneur, je vais être utile là pour mon pasteur, pour mon église, pour le Seigneur. » Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a utilisé puissamment. Là où il y a un vide, regardez, si vous arrivez dans un endroit, tout est rempli, les chaises sont remplies, il n'y a plus de poste sérieux. Ah ben, cette église, il y a déjà tout. Mais si vous arrivez dans un endroit, il y a une chaise qui est vide, tu viens, tu pries, tu mets ta main sur cette chaise, Seigneur, sauve une âme. Tu pries pour Jacques. Seigneur, que Jacques vienne s'asseoir sur cette chaise. Voilà, tu es utile. Là, tu es en train d'intercéder pour une chaise qui est vide. Mais quelqu'un qui n'est pas mûr, ah, mais si, l'église est vide. Mais l'église est vide, lui, qui enverrai-je? Qui travaillera pour nous? Qui répondra à l'appel de Dieu? Qui évangélisera la ville de Rome? C'est vous et c'est moi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je vais lire le verset parce que sinon je vais continuer. On va lire dans Actes, chapitre 1 et le verset 8. Raphaël, tu peux appeler l'édition pour le verset. Actes, chapitre 1, verset 8. L'Église est fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, l'Esprit Saint a été déversé sur les disciples et ils ont reçu une puissance. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome, jusque là où vous êtes. L'endroit où vous êtes, ça c'est l'extrémité de la terre. L'endroit où vous êtes, soyez des témoins fidèles. Dites ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous commencez par votre foyer. Votre foyer est fondé dans la parole de Dieu. Votre foyer est enraciné dans la parole de Dieu. Après, vous allez maintenant évangéliser votre rue, après votre quartier, après votre ville. Après, ça sera toute la France. Alléluia. Parce que Dieu nous a amenés ici. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous sommes là pour un seul but, évangéliser la France. Évangéliser la France. Amen. On n'est pas là pour une raison économique ou quoi que ce soit. On est là, mes frères et sœurs, pour évangéliser la France. Je vous dis sincèrement, pensez à cela. On n'est pas là parce que là où on était, il n'y avait pas de quoi manger. Mais on est là parce que ce pays a besoin de Jésus-Christ. La France a besoin de Jésus-Christ. Donc, l'église est un lieu où les frères et sœurs se rassemblent pour chercher la face de Dieu. Et dans l'église, nous avons des promesses. Nous avons des promesses. Non seulement l'église a cru en ce que le Seigneur a promis, elle a mis tout en place pour voir cette promesse accomplie. C'est-à-dire, l'Église ne croit pas seulement, mais le Seigneur a mis des structures, le Seigneur a mis des principes, le Seigneur nous a donné sa parole pour que ces promesses puissent s'accomplir. Et la plus grande, la promesse la plus fondamentale, la première promesse, c'est quand nous recevons le Saint-Esprit. Ça, c'est le premier temps. Vous recevrez une puissance. Vous venez à Jésus-Christ tel que vous êtes. Jadis, vous marchez éloigné de Dieu. Vous avez commis des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ça, c'est votre vie passée. C'est fini, ça, maintenant. Maintenant, Dieu vous appelle. Vous avez entendu la voix du Seigneur. Le diable, lui, il vient pour vous rappeler votre passé négatif. Mais Dieu vient pour vous montrer, alléluia, pour vous montrer la gloire future, alléluia. Amen. Dieu vient pour vous montrer la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Où il n'y aura ni pleurs, ni graissement de dents, il n'y aura que la félicité et la joie. Le diable, pour vous culpabiliser, il vous rappelle toujours les choses passées qui sont des choses négatives. Et vous vous mettez dans une disposition, dites, mais je n'arriverai jamais.
Mais Dieu sera toujours avec nous. Il a dit dans Matthieu, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Donc, vous vous accrochez à cette promesse, vous nourrissez cette promesse par la prière, par l'adoration, par la louange. Lorsque la tempête vient, les disciples, ils étaient avec Jésus-Christ dans cette barque, la tempête est arrivée. Physiquement, Jésus-Christ était fatigué. Physiquement, Jésus-Christ dormait. Mais spirituellement, Jésus-Christ ne dormait pas. Son esprit était resté éveillé. Parce qu'il était parfaitement 100% Dieu et 100% homme. En tant qu'homme, Jésus-Christ avait faim, avait soif. Il avait besoin de cette barque pour traverser. Mais en tant que Dieu, il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Il pouvait accepter d'être adoré. Il pouvait pardonner les péchés, les gens. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait marcher sur l'eau. Amen. Parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Et Jésus-Christ était dans la barque avec les disciples. Et les disciples tremblaient. Il y avait la tempête. Ils ont crié. Et Jésus-Christ s'est réveillé. Il a dit quoi? Vous n'avez pas assez de foi. Voilà la puissance d'un enfant de Dieu. Voilà la puissance de l'Église, avoir la foi. Cette foi qui transporte les mentales, qui enlève tout. Les maladies, les circonstances. Vous avez un besoin qui est urgent. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Il répondra. Il répondra. Amen. Peu importe. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Peu importe le temps, il répondra. La persévérance, c'est ça qui fait connaître la puissance de Dieu. Quand on est tenace, quand on sait exactement où on va, c'est là que Dieu se fait connaître. C'est pour cela, dans la parole de Dieu, on nous parle de dispensation. Dispensation, elle a 7. Et la définition de la dispensation, c'est une période particulière où Dieu se révèle à l'homme, où Dieu se manifeste. Et pendant cette période, l'homme adore Dieu, l'homme devient idolâtre, l'homme a faim, l'homme, il y a plein de choses qui se passent. Mais la seule chose qui est sûre, Dieu veille. Amen. Dieu veille à ce que sa promesse puisse s'accomplir. Donc, la Bible nous parle de cette fondation de l'Église. L'Église a été fondée le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, ils étaient tous dans une pièce. La chose qui est fondamentale ici à retenir, ils étaient unis d'un commun accord. Et ils priaient ensemble. Et ils attendaient quelque chose de la part du Seigneur. Dans la maison, les enfants, les parents, on doit avoir cette habitude de prier ensemble. De prier ensemble, vous savez, vous transmettez quelque chose. Ne passez pas une journée sans prier avec les enfants. Parce que si vous ne faites pas cela, dans le monde, il y a tellement de choses qu'on nous miroite. Il y a tellement des pensées qui sont négatives. Il y a, même pas à l'extérieur, même à l'intérieur de la maison, les portables, la télé, l'ordinateur, plein de choses. Et comment casser toutes ces choses-là? La technologie est bonne si nous, nous contrôlons la technologie. Mais si la technologie nous contrôle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je travaille, je peux regarder un documentaire à la télévision, une heure, deux heures, mais je dois être sûr. Quand la trompette sonne, c'est l'heure de la prière, j'arrête tout. Je rassemble tout le monde et j'ouvre la parole de Dieu et je commence à lire les Écritures. Je commence à lire la parole de Dieu. Le Seigneur va vous arrêter à un endroit et le Seigneur va vous donner un message. Et vous priez pour ce message-là, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, dans votre foyer. Les messages prophétiques sont simples. Les messages prophétiques, c'est quand l'homme se dispose à écouter la voix de Dieu. Vous pouvez noter ça. Chaque prophète, chaque appelé de Dieu, quand il se disposait pour que Dieu puisse parler, c'est là que le message prophétique arrivait. C'est pour cela qu'on dit que les prophètes sont des porte-parole de Dieu. Quand on est un porte-parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'écouter. Sinon, qu'est-ce que tu vas transmettre si tu n'as pas écouté? Tu vas transmettre seulement ce que tu as entendu. Alors, un porte-parole, le porte-parole du gouvernement,
il dit des choses qu'il a entendues au conseil des ministres. Le gouvernement, ils ont fait une réunion, après le porte-parole vient pour dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est exactement comme ça avec le Seigneur. À un certain moment, on doit se disposer pour que le Seigneur puisse nous parler. Souvent, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on n'écoute pas Dieu. On demande, et Dieu a. Il attend pour qu'il puisse te parler. Te donner des directives, te donner les principes et t'expliquer pourquoi ta prière n'est pas encore exaucée. Et le Seigneur va te révéler les choses cachées que tu ne connaissais pas ou tu ne connais pas encore. Il va te révéler ces choses à travers la prière et à l'écoute. Il faut être à l'écoute. C'est ça, la Bible dit qu'ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Donc, on doit savoir comment Dieu fonctionne avec nous. C'est pour cela, quand on ne voit pas le Seigneur agir dans notre vie, on dit, ben, il n'y a pas de puissance. Il n'y a rien qui se passe. Parce qu'à un certain moment, on ne comprend pas le principe de l'écoute. Et Jacques nous dit, nous ne devons pas seulement nous arrêter à écouter seulement, mais nous devons mettre cela en pratique. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, c'est là qu'il y a la puissance, il y a le résultat. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc la mission de l'Église était de témoigner Christ à tous les peuples du monde et faire connaître le message du salut, de la délivrance et de la guérison à tous. Les apôtres ont laissé la vision s'implanter dans leur cœur et devenir le but numéro un de leur vie. Ils ont laissé d'abord la vision être implantée dans leur cœur. Comment? Ils ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Et pendant qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, ils étaient des disciples. Ils ont appris, ils ont vu Jésus-Christ faire des miracles, ils ont vu Jésus-Christ ressusciter des morts, ils ont vu Jésus-Christ pardonner les pécheurs, ils ont vu Jésus-Christ guérir les lépreux, ils ont vu Jésus-Christ aller visiter les pécheurs comme Matthieu. Ils étaient à un certain moment scandalisés. Mais là, le Seigneur était en train de leur apprendre l'Église. L'Église, c'est quoi aujourd'hui pour nous? Quand on a cette vision de l'Église, l'Église, c'est quoi? L'Église, premièrement, c'est de prendre soin des âmes perdues. C'est ça l'Église. Tu commences l'Église dans ta vie propre. Tu prends d'abord soin de toi, après tu vas prendre soin des autres. Si tu ne prends pas soin de toi, comment peux-tu prendre soin des autres? Tu ne vas pas dire à l'autre de laver son visage alors que ton visage est sale. Je commence d'abord par laver mon visage. Après, je vais dire à mon prochain, lave aussi ton visage. Peut-être que je n'aurai même pas besoin de lui dire. Il va voir mon visage, ton visage est propre. Il va le faire. Alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un évangile vivant. Je n'ai pas besoin de crier. J'ai besoin juste de me comporter comme un chrétien. D'avoir un bon comportement, une très bonne attitude, c'est ça l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, je trahis Jésus-Christ quand je proclame sa parole et je fais le contraire de ce que je proclame. Je trahis le Seigneur. Nous ne devons pas trahir la parole que le Seigneur nous a transmis avec beaucoup de puissance et beaucoup d'onction. Et cette vision aujourd'hui, dont le Seigneur parle ici, nous avons lu, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la vision. La vision est de sauver tous ceux qui sont au loin. C'est ça la Actes 2, 38, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Là, ils sont sortis de la chambre haute. Et Pierre commence à prêcher. Ils étaient tellement touchés. Hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est ça la vision. Tous ceux qui sont au loin, nous tous nous étions très loin du Seigneur. Nous étions dans la boue du péché. Et la vérité nous a rattrapés. Amen. La vérité nous a rattrapés. Ne soyons pas aujourd'hui comme Jonas.
de fuir la mission. Ne soyez pas comme Jonas. Peu importe là où nous sommes, la vérité va toujours nous rattraper. Parce que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu veut nous établir aujourd'hui. Comme j'avais dit dimanche dernier, établir, une personne qui est établie, ça signifie quoi? C'est une personne qui a reçu d'abord les principes, parce qu'on ne peut pas être établi avant de recevoir les principes. Non. Au préalable, on reçoit d'abord les principes. Les principes qui sont dans la parole de Dieu. Vous savez, avant que Israël soit établi, il fallait que Moïse leur donne la table de la loi, les 10 commandements. Voilà comment vous devez vous comporter. Ah, voilà. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Voilà. Maintenant, le Seigneur, quand il nous a établis, le Seigneur nous a expliqué une chose. Il nous a dit que quand vous partez pour évangéliser, pour visiter les familles, n'apportez rien. Allez comme ça. Et parlez de la part du Seigneur. Parlez de moi. Parlez de ce que vous avez entendu. Parlez de ce que vous avez vu. Et parlez de ce que vous avez expérimenté. Ce que vous avez entendu, c'est l'enseignement de la parole. Ce que vous avez vu, les gens qui étaient guéris, ce que vous avez expérimenté, votre âme a été touchée. Vous étiez dans la boue du péché, vous étiez lié et le Seigneur vous a délié. Parlez de ça. J'étais comme ça et maintenant regardez ce que je suis aujourd'hui. Avant de parler des choses que les gens ne comprennent pas, parlez de l'Apocalypse, parlez d'Ézéchiel, parlez de Lévitique, Daniel, ce sont les livres que les gens ne comprennent pas tout de suite. Mais quand vous allez dans un endroit, parlez d'abord de votre témoignage. Parlez d'abord de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Parlez de ce que vous avez vu le Seigneur faire dans la vie des autres. Je connais une personne qui était vraiment dans la drogue et le Seigneur l'a délivré de cela. Et c'est ça qui touche les gens. En fait, c'est réel, c'est tellement palpable, c'est tellement visible, c'est clair, c'est simple. Alors, la foi de la personne, le cœur, l'âme de la personne vont se porter vers le Seigneur et avec avoir un bon, est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Et là, maintenant, tu peux dérouler toute la Bible, ce que le Seigneur a fait avec les apôtres. Parce que Jésus-Christ ne vient pas seulement pour nous faire plaisir, nous. Ne vient pas seulement dans notre vie pour qu'on puisse nous sentir bien, non. Jésus-Christ, quand il vient dans notre vie, c'est pour nous utiliser d'une manière puissante. Amen. Je deviens puissant parce que Jésus-Christ vit pour moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je suis puissant. De moi-même, je ne suis pas puissant. Mais Jésus-Christ en moi, alléluia, je deviens puissant. Quand je parle, peut-être que vous ne réalisez pas, mes frères et sœurs, quand vous dites un seul verset parmi les gens qui sont dans le monde, les païens, ils tremblent. Parce que vous, vous êtes habitué par Dieu attend, aimer le monde qu'il envoie sur vous. Vous êtes habitué, nous, on est habitué par ça. On est habitué par l'ange de l'éternel campe tout autour. On est habitué par ça. Mais il y a tellement de puissance qui se dégage. Vous êtes habitué même avec la présence de Dieu. La présence de Dieu est normale. Je suis passé devant une boîte de nuit. C'était un samedi, devant une boîte de nuit, je me suis arrêté là. J'ai regardé, je suis resté là longtemps pour voir. J'ai regardé les gens qui entraient, les gens qui sortaient, les gens qui entraient. Ceux qui entraient étaient normaux et ceux qui sortaient n'étaient plus normaux. C'est-à-dire, ils entraient et ils sortaient avec les esprits. Ouais. Et quand ils sortaient avec les esprits, ils reprenaient ces esprits partout où ils mettaient leurs pieds. N'allez plus dans les boîtes de nuit. Ne fréquentez plus les gens qui vont dans les boîtes de nuit. Si vous fréquentez ces gens-là, c'est juste pour une seule raison, leur parler de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont vous influencer. Ils n'ont rien à vous dire. Vous avez des choses à leur dire. Alléluia. Vous avez des choses à leur faire comprendre. Que ce que vous faites, c'est pas bon. Ne restez pas avec les jeunes qui parlent tout le temps des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui parlent tout le temps du sexe, qui sont dans la pornographie, qui sont accros à ces choses-là. À notre époque, quand on était jeune, on avait du mal à accéder aux choses comme ça.
Mais maintenant, c'est partout, la pornographie dans nos portables, partout. Nos enfants sont livrés. Attention, ne laissez pas les enfants seuls avec le portable la nuit. Il faut contrôler. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je sais que nous tous, en tant que parents, nous faisons face à ces choses-là. Mais nous ne devons pas baisser les bras. On ne doit pas baisser les bras. Parce que le diable a travaillé dans son laboratoire qu'on appelle Cosmos, éon de Cosmos. Il a travaillé pour que nos enfants deviennent accros. Pour que nos enfants n'arrivent plus à adorer Dieu. Parce que quand ils restent toute la nuit à regarder les choses du monde, oh non, c'est juste un dessin animé. Toi, tu dis c'est un dessin animé. Mais la personne, les gens qui ont fait cela, ils ont mis le message subliminal dedans. Vous ne savez pas? Ouvrez vos yeux. On doit combattre jusqu'au bout. Moi, avec mes enfants, c'est la guerre. Hein. La guerre, le combat spirituel, tous les jours. Raphaël est là, je contrôle toujours son portable. Il vient d'avoir 18 ans, il est là. Je contrôle toujours son portable. Parce que derrière, il y a des esprits, il y a des démons. Oh non, je suis grand, ça n'a rien à voir avec ça. On est dans un combat spirituel. Bénédicte, je contrôle aussi son portable. Bien que Bénédicte est responsable d'autres réseaux, Instagram, Internet, pour l'église et tout ça. Mais vous savez, elle poste des choses pour l'église, mais les autres, ce qu'ils postent, on ne sait pas. Contrôlez l'Internet de la maison, l'ordinateur de la maison. La disposition, il faut que ça soit dans un coin où tout le monde regarde. Parce que juste un clic, on peut tout effacer. Surtout l'historique. Maintenant, les jeunes savent comment nettoyer l'historique. Mais tout ça, pour que ça soit efficace, c'est seulement la prière. La prière fervente. Beaucoup de prières, beaucoup de prières. À un certain moment, les enfants doivent avoir la conscience que sans la prière, ils sont livrés à l'ennemi. Ils sont vulnérables. On doit inculquer ça aux enfants. La parole de Dieu, c'est l'épée, c'est l'arme, la seule arme offensive. Et la prière, c'est une arme qui nous permet de se protéger. Quand l'ennemi vient, il ne nous voit pas, parce que nous sommes dans la prière. La louange et l'adoration permettent que Dieu puisse descendre. Alléluia. Que les anges puissent entourer le lieu où on adore, où on loue. Voilà ce que l'Église est. Amen. L'Église ne faillit pas. L'Église ne sera jamais détruite. L'Église appartient au Seigneur. Puisque le diable, il y a une chose que le diable ne peut pas détruire, c'est votre foi. Il peut tout vous enlever. Mais la seule chose qui ne peut pas vous enlever, c'est la foi. Votre foi. Et votre foi est basée sur les expériences vécues avec le Seigneur. Amen. Votre foi est basée sur la parole que vous avez entendue. On dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est notre fondement. Donc si tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, tu enlèves cette foi. Et comme il n'y aura plus cette foi, quand la tête va arriver, tu seras la première personne à être atteinte. Donc je sais que je suis en train de toucher des points que... ce sont des points qu'on vit avec tous les jours, au quotidien. Ne passez pas une journée sans lire un chapitre. Est-ce que hier vous avez lu un chapitre? Donc vous avez manqué votre bénédiction. Et aimer Jésus-Christ, c'est quoi? C'est lire sa parole. Aimer Jésus-Christ, c'est quoi? C'est chérir sa parole. Amen. C'est pas beaucoup. Maintenant, nous, les chrétiens modernes aujourd'hui. Moi, je ne me rappelle pas ton prénom. C'est vrai. Tu sais que nous serons jugés. C'est vraiment plus que les anciens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même la Bible à nos yeux. À l'époque, pour lire toute la Bible, il fallait plusieurs mois. La Bible en est en cours. C'est plusieurs mois. Mais aujourd'hui, 2 mois suffisent pour écouter toute la Bible.
Et c'est ça notre jugement. Qu'aujourd'hui, personne ne peut dire non, je n'ai jamais, jamais écouté toute la Bible ou bien tout. Non, c'est, tout le monde peut le faire. Pendant que tu fais la vaisselle, tu peux écouter 5 chapitres. Pendant que tu es en train de coudre, tu peux dire, écouter 10 chapitres. Pendant que tu es en train de conduire ton car, tu peux écouter 2-3 chapitres. Tout est possible. Tu pars à vacances, tu peux écouter. On est parti en Londres. 4 heures de route. Combien de chapitres? Donc, on sera jugé par cela. Donc, si hier tu n'as pas eu le temps de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, tu dois te repentir aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire les choses correctement. Parce que je t'aime. Parce que je sais que tu m'aimes. Et je mets ta parole en pratique. Alléluia. Pour terminer aujourd'hui, l'Église a été fondée, bien sûr, pour que nous soyons sauvés, mais il y a des principes pour être sauvés. Pour être sauvés, Dieu nous dit premièrement, nous devons confesser nos péchés. La première étape, je me repens, je confesse mes péchés devant Dieu, du Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas, j'étais ignorant jadis, voilà j'ai fait ça, j'ai fait. Tu peux étaler ta liste devant Dieu. Tu étales ta liste, Seigneur, voilà j'ai fait ça. Parce que certaines personnes disent que non, Dieu connaît, il connaît mon cœur, il sait déjà tout. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Bon, ça ne sert à rien que je parle parce qu'il sait déjà. Mais la Bible nous dit de parler. Dieu nous permet de dire les choses. Seigneur, je n'ai pas pardonné. Seigneur, j'avais mal agi là. J'avais fait ça. Tu te reprends. Et tu vas voir la personne à qui tu as un litige. Tu avais insulté. Il y avait un indifférent entre vous deux. Tu vas voir cette personne-là. Tu es le premier ou la première personne à faire le premier pas. Tu dis, bon, je viens pour la paix. Je viens pour qu'on fasse la paix. Parce que moi, je vais être sauvé. Hein. Amen. Ce geste-là que vous allez faire, ça va toucher cette personne. Je connais cette personne, elle est dure. Elle est dure. Mais elle est venue quand même me voir. Ça, c'est la première étape. Tu confesses, tu te repens. La repentance, c'est que tu changes carrément de direction. Tu allais dans cette direction. Tu t'aperçois que là, il y a un trou. Si tu continues, tu vas tomber. Tu vois bien que dans cet endroit-là, il y a des esprits. Après, tu t'arrêtes. Parce que Dieu te parle à ce moment-là. Tu tournes complètement. Tu fais votre face et tu vas dans la bonne direction. Donc c'est un changement complet. Frère Domingos, il y a une différence entre la repentance et la conversion. La repentance, c'est ce que je vais vous expliquer. Tu parles, tu confesses, tu dis, Seigneur, je regrette. Je me repens. Mais la conversion, c'est un changement complet. Donc, c'était vert, maintenant c'est blanc. C'était rouge, maintenant c'est blanc. C'était noir, maintenant c'est blanc. C'est ça la conversion, tu changes complètement. C'est ça la vraie conversion. Et la vraie conversion, on produit, on devient productif. C'est ça, la Bible dit que l'arbre qui ne produit pas, Jésus-Christ dit, il faut le couper. Une personne qui est réellement convertie devient un évangéliste. C'est-à-dire, il va convertir les âmes. Tu deviens un témoin. Les gens te regardent, ils ont envie de servir ton Dieu. Ça, c'est la conversion. C'est ça, ceux qui sont non productifs, ce sont ceux qui ne sont pas réellement convertis. Et ils créent des problèmes partout. Dans les foyers, dans les églises. Vous voyez, hein? Même les gens qui sont dans les églises depuis 20 ans, 30 ans, certains ne sont pas convertis. Ils créent des problèmes. On m'a toujours enseigné, pour donner une claque au diable qui tourmente nos frères et sœurs, c'est de gagner encore une âme. Le diable vient pour nous tourmenter, je gagne encore une âme. Encore 3, encore 4, encore, il vient, je gagne encore une âme. Amen. Ouais, il va fuir. Alléluia. On ne doit pas se mettre dans une disposition où on devient comme un gendarme. On devient comme un gendarme. Non, mais toi, tu n'es pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait non plus. Nous sommes tous sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes tous sauvés par grâce. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mon frère. Seigneur, change mon frère, change ma soeur avec passion, avec des pleurs. Quand moi je vois mon frère Séverin, je dis, est-ce que je vois mon frère Séverin
comme Dieu le voit. Ou bien je le vois comme moi je le vois. Voilà la différence. Si je vois mon frère seulement comme Dieu le voit, moi je le vois dans 10 ans. Moi je le vois dans 10 ans en train de prêcher la parole de Dieu dans les rues de Romilly. Alléluia! Je prophétise cela. Moi je vois ça. Mais quand on regarde nos frères, ce sont avec des yeux charnels. On va parler que des choses qui s'arrêtent là. Et ça, c'est pas bon. On doit avoir une grande vision. Pierre ne voulait pas de Matthieu. Mais Jésus-Christ savait ce que Matthieu pouvait faire. On doit faire très attention. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le baptême d'eau, ce que mon frère David va faire tout à l'heure. Se baptiser au nom de Jésus-Christ par immersion. L'immersion, c'est plonger dans l'eau. Je meurs avec le Seigneur, je sors de l'eau, je ressuscite avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné une promesse, lui-même, il nous baptise du Saint-Esprit. Amen. Une fois que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu pries, Seigneur. Seigneur, visite-moi. Dieu va te visiter et va te commencer à parler en d'autres langues. Et tu vas commencer à glorifier le Seigneur. Tu vas commencer à annoncer le merveille de Dieu. Alléluia. Et là, tu es prêt maintenant pour affronter ce monde qui est méchant. Ce monde qui est méchant, que ce soit au lycée, que ce soit partout, que ce soit à l'université, vous êtes très important. Vous êtes très important. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes très important. Que personne vous rabaisse, que personne vienne vous juger, que personne vienne vous dire que non, ben, c'est passé toutes ces choses-là. Non, c'est de l'actualité. L'évangile est encore de l'actualité aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alléluia. Tu peux remercier le Seigneur, tu peux lever ta voix. Alléluia. Élève ta voix, alléluia. Par rapport à ta situation, ta famille, même tes amis, tu peux prier pour tes amis. Tu dis, Seigneur, nous traversons une période qui est très, tellement difficile. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens dans ta maison et j'ai entendu, Seigneur, ta parole qui, Seigneur, m'a transpercé, Seigneur, le cœur qui m'a, Seigneur, bouleversé aujourd'hui. Mais Seigneur, je veux me lever aujourd'hui pour te servir. Seigneur Jésus-Christ, que ta prière, que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, mette en moi, Seigneur, le désir de prier. Je veux être, Seigneur Jésus-Christ, cet homme et cette femme de prière, Seigneur, parce que tu m'as appelé aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, pour te servir. Tu m'as appelé. Je veux te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour pardonner tes péchés. Et le Seigneur Jésus-Christ,
the presence of God. Hallelujah. 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 He's worthy of our praise today. Hallelujah.